kilomètres. Débarquement bleu sur le nord, rouge sur les flancs gauche et ouest et est. On est pris pour le nord. Pris pour flanc proximité. Et rouge, j'en suis. Allez. Let's go. Parfait. Passe devant. Devant toi. Hop, un tout petit coup d'œil. On a déjà du monde là sur Lima 1, Lima 4. Lima 3, Lima 4, j'ai l'impression que c'est occupé. J'ai un audio véhicule aussi. Ok. Il y a du monde dans le Mirador. Hein. Vous êtes déjà aussi loin que ça, vous ? Punaise. Il y a beaucoup de patrouilles dans. Vous êtes très très fort. Ça peut pas, on va leur donner le temps. Une patrouille en 15 secondes. Ouais. Véhicule qui longe la route 10. Merde, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de relief que ça. Ouais, j'arrive pas à me repérer moi en fait. Il y a un quad en 12 qui arrive sur la route. Ouais. Ok, les petits salopards, ils ont bien préparé pour tout niquer mon plan. C'est bien déjà, on voit ce qu'il y a. Ouais. Il y a du monde, hein, putain. Ouais. Je crois qu'on va réviser le plan. Rouge à leader. Ouais. Sur le 30, sur sommet de crête, en se plaçant là-bas, on aura un meilleur visuel de ce que cache la colline sur le secteur nord-est. Ouais. C'est là où il y a la chapelle. Ah non, c'est encore plus loin. Tu la vois la chapelle là ? C'est encore plus loin.
Ok. Ok. Bleu, tu nous amènes sur le muret azimut 30. Les murets azimut 30. En passant par la colline 118-207. 118-207. Bleu vient de Goya, tu vois? Azimut 30, on part? Ouais, c'est en face là. Allez, c'est parti. On va faire une pause ici. Ouais, bleu, bien pris. On pousse sur le rocher pour viser sur l'arrêt. Putain, ça fait chier. La petite colline Lima 4. Non, Lima 4, ça a l'air clair. Ok, on est reparti. Direction les murets, suis indiqué vers le nord. Que le mur y part. C'est au que t'as en azimut 20 là-haut. Ah ok. Merci. Attention à la route. Ok, tu t'arrêteras aux premiers arbres, je traverse. Je dis qu'on va passer de côté. Aussi. Vas-y, bleu traversé. Il y a rouge en couverture. On te dépasse. Ouais, ça marche. Dernier homme. Ok.
qui monte sur les murets là. Sur les murets, bleu vise du nord, rouge vise du ouest. Allez, parti. Vas-y, mute 20. Il va à droite. Mais il va trop être à gauche. T'es fatigué, Goya? Ouais. Attention à baisser ton arme. Il se murait là? Ouais, on se pose sur le rocher qui est en face là. J'en veux chacun de moi d'un côté. À droite. Et on se pose là, nous. Patrouille 334, il y aura deux. Il y aura deux. Dans les bois au 353. Se dirige vers la route, je pense. Ouais, défile en droit. Ce qui est bien, c'est que vu qu'ils ont tous des torches, en fait, on va pouvoir les éviter assez facilement, je pense. Ouais. Essayons de nous dire que certains n'ont pas de torches, quand même. Ça nous évitera des surprises. Surprise, surprise, motherfucker. Il y a une patrouille aussi, hein, 355. Ouais, j'aime bien le signaler, ouais, sorte de beau. Ouais. 1,7 km. Sur la crête là-bas. Ouais. Il y a de la mer avec eux. Proche de la mer, ouais. Ils ont pas de lampe ceux-là apparemment. Dans les vocantes. Ouais, j'ai pas vu. Ouais. Il y a aussi des mecs Zemut 5 avec lampe torche. Et ouais, donc les mecs en 355 ont pas de. S'ils ont des lampes torches en 355. Ah si, on les voit, ça y est. Ils sont 4 et ils sont partout et ça me fait chier. Bon. Du monde au 6. J'ai réfléchi à un itinéraire si tu veux à coup. Ça sera pas à court d'idée. Ouais, non, non, si, si, je pense savoir par où on va passer. Mais ça me fait chier qu'il y ait des mecs partout. En même temps, ils protègent leur chef, c'est normal. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde sur l'ouest. Hein. En fait, on n'en sait rien, c'est qu'avec le relief, on voit pas très bien vers l'ouest. Là, il y a un barrage au 327, au bout de la crête, avec un mec devant. Il y a avec un bunker. Sur la route. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Alors je me demande, ouais, ok, ouais. Je crois que l'image. L'IMA 4 c'est assez compromis quand même vu le monde qu'il y a et l'éclairage. Il y a un mur de gauche chacun mec on dirait. Avec une droite il y en a deux dedans. L'IMA 3 c'est mort mais l'IMA 4 ça reste la meilleure option. Sinon sur l'IMA 4 pour l'instant t'as une patrouille. Ouais c'est ça.
On se glisse, on la traite au silencieux. Ok. Viens avec moi, Wilco. On va retrouver Dranak. Dranak qui est là. Voilà. Je vous laisse ça, les gars. Plan B. Plan B, hop, on efface toutes ces conneries. Attends, je te passe la gomme. Si je dis pas de conneries actuellement, putain, on est quelque part ici. Sur pause 1. Ce qu'on va faire. Il y a pas trop de Oiseau 4 dans la tranche. Attention. Ce qu'on va faire. Alors de pause 1. De pause 1, on va redescendre. Sur... On va redescendre sur pause 1 ici. Garde en visu. On va remonter sur pauvre 2 comme on avait commencé à dire qu'on ferait, sauf qu'on va longer la route à environ 100 mètres de décalage en parallèle. Il y a toute une série de murets, on fera ça en perroquet histoire d'être safe. On prendra l'IMA 4 par l'est, rouge, ou passera en avant. On essaie de traiter la patrouille de 4, il y a une patrouille de 4 sur l'IMA 4 qui fait des allers-retours ouest-est. On essaie de la traiter au silencieux en passant. Ok. Le but étant de continuer jusqu'à l'extrême de l'IMA 4. Prendre position sur pose 2 avec la... avec l'équipe bleue. Pendant que l'équipe rouge mène son assaut sur crayon. Pas de visuel sur ce qui est à l'ouest. Et on va essayer de compter sur la rapidité d'exécution et le repli rapide. Si sur pose 2 c'est mauvais, on avisera. Attends, j'entends pas. Ici sur pose. Répète la dernière phrase. Je dis si sur pose 2 si c'est mauvais, on avisera. Ça sert à trouver autre chose. Ici. Peut être intéressant. Et sur l'IMA 3 il y a une tour avec des patrouilles qui sont tout autour, donc ça peut vite compliquer la chose. Sur poste 2 justement on peut garder un œil sur cette sur l'IMA 3 et voir s'il y a des patrouilles qui descendent dans votre dos sur crayon. Lors de la progression, c'est toujours bleu qui prend la tête. Du coup je préférerais que ce soit vous rouge qui preniez la tête. D'accord. Rouge qui prend la tête et bleu qui ferme, qui fait le serre-fil. Okay. De toute façon, c'est sûr que sur l'IMA 4, c'est rouge qui va passer en premier, au cas où on entre en contact avec la patrouille, histoire de la neutraliser le plus discrètement possible. Je vais jeter un dernier coup d'œil, histoire de voir si on n'a pas d'autres surprises sur l'IMA 4. Mais normalement, il n'y a qu'une patrouille de 4 hommes. Patrouille Zenith 3, toujours en approche, à un sud à 475 mètres. 30, tu dis? Zenith 3. Tu dis combien de mètres? 450 mètres même. Ils vont arriver dans les champs face à nous, il y a plein nord. Ouais, ils viennent vers nous. Merde. Je vois pas. Hein. Moi je les vois, ils viennent vers nous, ils sont tous à droite de la route dans ils les champs. Ils sont 5. Ouais. Ouais, on voit leurs lampes. Vas-y, 3. Ah putain, oui, il y en a pas que 5, il y en a 8. Confirmé, c'est à proximité de POV 1, c'est ça? Non, c'est à proximité de notre position. Ils remontent depuis POV 1 vers POV 1, là, ils sont à... Oui, voilà. Si on attend qu'ils soient dans le champ, ouais. On peut les taper. Pour 400 mètres. Ouais, je préfère éviter à 400 mètres, c'est pas des coups sûrs. J'ai des hommes qui sont au endpoint. Hein. Ouais, mais si on attend qu'ils soient dans le champ en face de pas nous, de viseur, là, pas de... ils n'auront aucun couvert.
mettez-vous en position, on va attendre de voir si le champ est à 200 mètres là. Vous restez au rocher les gars? Pas sûr. Faut que j'ai une meilleure position d'ici moi. Et on espère qu'ils vont bifurquer parce que j'ai pas envie d'engager là. Au pire tu peux toujours décrocher sur la droite, sur la gauche, ouais, dans le creux. Ouais. Et on se barre par les arbres. Hein. Puis rouge, on se déploie à droite de bleu. On se déploie à droite de bleu. Pas sûr. J'ai pas de silencieux. Ok à tous, on part, on décroche à Zimut 330. Rouge, tu pars devant. Oui, le rouge, partie 330. Allez, on y va. Je reprends la tête, les gars. Goya, suivi de Kalimuxo. Ok. Et là, on va passer juste. De rouge, arrivé sur route, je quoi, je traverse ou je converge plein nord? Là on va sur route. Arrivé sur route, on prendra la route vers le nord-est. Le but étant d'atteindre pauvre 1. Ok, nickel, maintiens cette distance avec la route, on va avancer en parallèle de la route. T'es prêt, je converge nord. Une pause en haut de la crête là. Attention, lampe, visu, flanc gauche. Bleu, tu te mets sur le flanc gauche. Partout, il faut que putain de voir le torche. C'est vos volumes de bois. C'est les mêmes que tout à l'heure, je parie. Ils ont fait demi-tour, on est d'accord. Ouais, je pense. Et normalement, ils venaient dans la direction. Ouais. C'est nickel, on va passer dans leur dos là. Sur les ignores et on part sur le nord, on arrive sur POV 2. On peut arriver sur POV 2. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On est quasi sur POV 1 là. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez hop. On est reparti. Parti, n'arrête pas. À part qu'il y a une chose, je passe dehors. Je passe devant. Vas-y. Regardez bien sur les flancs. Longe les lisières quand même des arbres là.
toute façon, on va devoir retraverser la route pour rejoindre POV2 après. Et on fait juste une petite pause avant de traverser la route là. Parce qu'après on va devoir longer la route pendant un petit moment et j'ai pas envie qu'on s'arrête. De bleu par ici. Ok, POV 2 c'est notre avant gauche dans la forêt. C'est ça, ouais. Goya? Vous voyez les lumières? Ouais. T'es à combien de kilos? 310. 34. Ouais, t'es aussi super lourd. Hein. Dans la forêt, là, il y a la moitié des sortes de lumières, mais je sais pas ce que c'est. Ça doit être un bâtiment, je pense. Il n'y a aucun bâtiment qui est renseigné sur la carte. Non, bah alors. Sur ce fond de colline. Tu les vois, toi? Ouais, je vois une source lumineuse. 72, 13, 14, je sais pas trop, on verra là. Dans la forêt un peu près. Elles ont bougé donc à mon avis c'est plutôt une patrouille. Hein. Elle est définiment droit. Ok, si pas de danger, on prend la route, on traverse, on va sur POV 2. De rouge, un effectif qui m'annonce une source de lumière en 320 qui est susceptible de bouger, susceptible d'être des ennemis. Ouais, alors 320 maintenant, ouais. 318, 315. Confirme qu'elle bouge la source. Ah ouais, 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 elle bouge. Ça ressemble à une lampe torche ou une corée comme ça. Ok. Ouais. Moi j'ai la voix à partir de 310 à 318, donc ça doit être une patrouille. J'ai deux contacts. Trois maintenant. Ils font chier, hein. À la limite, on peut limite monter sur l'ouest pour prendre la hauteur et on verra mieux. Sur le sud de POV 2. Elle défile droite ou gauche? Droite. Direction du nord, en direction vers le nord. Droite vers le nord, ok. Non, on va faire comme on l'a dit, on avance sur POV 2, au pire on sera dans leur dos dans ce cas. D'accord. Rouge. Est-ce que je me mets vraiment sur leurs arrières, un peu plus sur l'ouest? Non, c'est pas la peine, je pense. On va au moins rejoindre la visière. On va faire des déplacements parallèles avec l'ennemi. Ouais, on va avancer dans leur dos. À la rigueur, vous vous mettrez en ligne une fois qu'on sera sur la lisière de forêt, rouge. Ça marche? Ok. On va au moins sur la lisière, on regarde si on y voit mieux, ok? Ok. Rouge, parti. Allez, on avance. On va direction 320. Et bleu, on y va.
Ok, rouge, vous vous mettez en ligne. Si vous n'avez pas de visu, vous avancez vers le nord du bosquet. On va se mettre en ligne aussi, les gars. Prêt, en mouvement. Ok, on avance. Arbre en arbre, sur le nord. Ils sont au haut d'une colline. Tu les vois, Elma? Je vois la lumière, mais non, en tant que les personnes en elles-mêmes, non. Mais ça, c'est l'image, je crois. Ouais, c'est l'image 3, ça. Ils sont tous à notre 250-260, je pense. Okay. C'est plus éclairé légèrement avec. Mais... honnêtement, je suis pas sûr, mais je surveillerais bien le sud-ouest, ouais. Alba, déploie-toi sur l'arbre à ma gauche. Ok. En 260 oh? Ouais, juste à ma gauche, juste un arbre pour couvrir sur le flanc gauche. Merci. Ouais, il y a une patrouille sur la droite, ouais. Sur la droite de l'IMA 3. Ouais. Alors jusqu'où elle descend cette conne? J'espère qu'elle descend pas trop bas. Si elle va en direction de la trajectoire pour atteindre l'IMA 4, ça va être compromis. Je pense qu'elle doit faire le tour de l'IMA 3. Ouais, elle dévie déjà là. Ok, on va se mettre en mouvement. Là, on est actuellement sur POV 2. On va suivre l'itinéraire bleu que j'ai tracé sur carte. Donc, on descend le petit Talveg qui mène vers le 117-221. Et ensuite, on longe la route qui part vers le nord. On la longe. Normalement, il y a une série de murets perpendiculaires à la route. On va se servir de tous ces murets pour faire une progression en perroquet. Une fois qu'on aura longé la route vers le nord et qu'on aura passé l'IMA 3, on reprendra le Talveg et on remontera vers la côte pour prendre l'IMA 4 par l'est. Est-ce que c'est pris? Le rouge pris. Ok, rouge, tu mènes le bal. Rouge, on part en décroche nord. On reste en ligne, les gars. Halt. On est reparti. En ce moment, quand même, c'est un peu simple dans le Talveg. Muret rouge, tu t'arrêtes, bleu, commence le perroquet ensuite. L'équipe en arrêt essaie de courir sur tous les flancs et surveiller les patrouilles sur la gauche. Alma, tu me. Oui, je suis à ta gauche. Parfait, tu me prends le flanc gauche, Alma le flanc nord, côté nord, je prends le nord-est. Ok, là, attends, t'as coup, on peut y aller. Reçu. Allez-y, bleu, doublé. Prends le flanc gauche, hein, moi, donc par rapport à la ligne, c'est j'inverse. Hein. Ouais, d'accord, j'ai compris. Okay. On va s'adapter au pire. Ouais, non, c'est vrai que c'est inversé, les gars, inversé. Ouais, le map prend le flanc gauche et c'est parfait, tu me mets à ma droite. Reçu. Ouais. On va bouger, on va garder la ligne pour faire des déplacements nord. Ok, et je surveille toujours le flanc gauche, du coup. C'est ça, affirmatif. Plus en position. Bouge, on bouge.
Pour info, on a l'air d'avoir des contacts à 300 mètres à peu près. Ok, quelle direction Lima 3? 347 en azimut. Ok, c'est sûr. Change 400 mètres. Tu verras en arrivant sur le point. Ok, reçu. Passer par la droite de bleu. Ouais, on dépasse sur la droite et on rejoint le prochain couvert. Muré ou rocher. Vous avez du monde en face. Ah oui, il s'éloigne. Je coupe. Ok. Bien vu. Panac. On y va. En ligne toujours le coup. Ouais, toujours en ligne. Leader rouge et leader bleu, mettez votre strobe quand vous aurez le temps. Ok, je vais faire un stop au niveau de rouge. Non, tu pourras attendre ton prochain bout. D'accord. Les leaders, les gars, s'il vous plaît. Ok, on s'accroupit. Le rouge, on a la patrouille sur l'avant gauche qui se rapproche. Elle est à peu près à moins de 200 mètres. Qui est bleu, vous frisez, elle va être sur votre flanc gauche direct. Bleu, vous frisez. Rouge, vous mettez dessus, pour l'instant vous engagez pas. Vous engagez oui, que si compromis. Galba. Ouais. Engage pas pour le moment. Chef de troupe. On tire qu'à la riposte. Non, que si compromis. Si vous voyez qu'on va se faire griller, vous tirez. Ok, parfait, rouge, bougez. Allez, rouge, les mecs. Proche. Adieu, hélico, les gars. Si on n'est pas en combat, il était niveau laser, les gars. Il n'y a pas de raison qu'il s'extrayait. Non, mais il peut peut-être larguer des troupes sur le point où tu veux aller. Oh, ça, c'est plus embêtant. Ouais. En bleu, on décroche. Okay. La patrouille qu'on a en face de nous en 355 là-haut sur la colline, c'est celle qu'il faudra traiter. C'est celle qui est sur Lima 4.
a des ennemis proches là. Azimut 40. Ok, faites une pause. Rouge vous rattrape. Blanc aussi, baissez le volume de voix. Parti rouge. Rouge, j'essaie de vous passer sur le flanc gauche si possible. Bon, apparemment les contacts sont en alerte. Ouais, ça, des fois ça veut rien dire. Feu aussi silencieux, si compromis seulement, si compromis sur initiative. Donc. Très bien pris. Ça s'est baissé. Fais pas de bruit. Promis, ça court. Ok, on se relève. On fait ça. Ils sont en proximité là. Ouais. C'est derrière le mur. Putain, c'est quoi ces conneries? J'étais derrière le mur et je suis tombé dans les vapes. Voilà, voilà. Ah putain. Pas de silencieux, je pas. Ah, tu peux y aller, hein, tu peux faire feu. Ça va, les gars? Ça va. Ouais, ça va. Putain, je suis blessé à mort. Ouais, on a eu du contact arrière, faites gaffe. Yumiso, regarde en arrière, s'il te plaît. Rouge, comment ça va? Un homme blessé et un homme disparu de choc comme radio. Ok, attention sur l'arrière, probable contact ennemi sur Fumi. Je comprends pas très bien comment ils nous ont vu là, mais... Bon, pour info... Bah, ils nous ont peut-être entendu la voix, je sais pas, j'ai baissé mon volume de voix exprès. La patrouille qui était sur Lima 4 en fait n'est pas alertée pour l'instant. J'aurais besoin d'un pansement au torse si quelqu'un... On occupe. Viens vers moi, de l'autre côté du mur. Médic décédé. Ah putain, merde. Ok, merde, reçu. C'est bon, t'es où De l'autre côté du mur. Bouge pas. Goya. Ouais, je suis avec Ali là. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis blessé là. Mais j'étais en train de te soigner. Ah merde, d'accord. C'est pas grave. Ok, pas de suite sur les gars, donc surveillez vos blessures de temps en temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer là. On continue dans le Talveig bleu, tu rejoins rouge. On va continuer dans le Talveig et reprendre le progression initialement prévu. Blessé en cours de traitement, un peu la bouger pour l'instant. On a encore un blessé en cours de traitement à coup. Hein. Ok, c'est bon, on peut y aller. Allez. Est-ce qu'il faut récupérer du staff médical sur le médecin après? Ben on va les rejoindre déjà, puis on verra ce qu'on peut récupérer. Mais de toute façon, allez, viens là. Merde, je suis où là? Je vois rien avec une DG. Ok. Suivez-moi. Ami. Putain. Je suis en train de traiter Elma. Okay. Couverture les autres. Couverture les autres. Okay. Les autres max autour de Goya. Goya, tu prends Est. Kenmuxo, tu prends Sud. J'ai beaucoup de mal à viser. On va arranger ça. Je crois qu'on va pas arranger ça. Faudra faire avec. Y a plus de médic, donc on se démerde. J'ai repris le sac du médic. Ouais. Ok. C'est bien vu. Tu peux t'occuper de mon homme ou pas? Y'a plus de médic là. Y'a plus de médic là, Wiko. Oh, bien pris. Mais c'est pas grave, il y a plus de matos. Non, mais le chef a dit donc on fait. D'accord. C'est pas une priorité. Voilà. C'est pas grave, okay. Tu pourras observer au moins. C'est bon.
Okay. C'est bon pour moi, ok. On prend la progression, on bouge. Faut pas qu'on reste là, on a été repéré. Par contre, Goya, il faut que tu me dis si ça reste rouge, parce que dans ces cas-là, je te mettrai des pansements. Ok, rouge, on décroche sur le nord. Rouge, on décroche sur le nord. Tu suis le Talveg. Vous suivez le Talveg. On reste en colonne, les gars. Goya, tu restes derrière moi. Kalimso, tu fermes la marche. Je suis. Ouais. Désolé, c'est parfait. Un truc à piller sur toi. Puis ça, c'est toujours bon à prendre. Allez. La rayure. Sur la côte. Très loin sur 140, il y a des lumières. Mais très loin. Je pense pas que ce soit. Alors, on est ici. Quelqu'un le recouse après, hein. Sinon ça va se rouvrir encore. Et tu m'autorises à suturer Goya? Tu sais faire ça, toi? Ouais, vas-y. T'as fait un BEP couture quand t'étais jeune? BEP couturière, je dirais même. Ça va, moi aussi. Hop, mon bandage vient de se faire. Voilà, mais attends, Goya, tu saignes là, ça va pas? Bah oui, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai plus de bandage, je vais tenir. Bah, t'avais dit tout à l'heure que tu savais plus à viser, tu pouvais t'arriver plus à viser. Pas que tu saignais. Les deux. Une grenade hier qui est en 280. Elles sont buggées en fait, les strobières elles sont buggées, donc on va laisser tomber, on va plutôt se servir des lasers pour les leaders. Ouais d'accord, c'est juste parce que je crois qu'on les a droppées en étant touchés. Non, elles sont pas droppées, c'est un bug. C'est les lasers, c'est que pour les leaders alors. Ouais, en temps de combat vous les allumerez tous, mais en progression, juste les leaders. Ah, il rigolait pas, tu rigolais pas, Wilco, quand tu disais qu'ils étaient tout près, hein? Disons que j'aurais pu en abattre plein qui était en face de moi, mais je peux oser tirer, que j'ai pas de sensation. Ah ouais, non, mais toi, c'est clair, toi, il fallait pas. En fait, à coup, on était allongé derrière nos murets, et je sais pas pourquoi. Ils ont vu rouge, en fait. Ah, ils étaient en alerte, ils couraient vers nous. Bah non, ils sont passés à côté en fait. Oh non, Sparfell a crié je sais pas quoi et ça a engagé. Il y avait aussi un mec qui venait par derrière, donc je sais pas d'où il est sorti le mec qui nous a pris par derrière d'ailleurs. Eh, c'est bon. Ouais. C'est louche. Ouais, c'est louche. Mon avis, on était repérés. Louche prêt. Ok, on suit le Talvec jusqu'à la côte. Ça continue sur l'est. Ok. Ça continue sur le est après nord. Ça reprend nord. Parti. Non, Dranak, en fait c'est le nord, ça va au nord là. Oui, on garde un. D'accord, ça fait un genre d'angle en fait. Ouais. Ok. Ah, ça marche. Attention, je passe devant. Ah, je faisais la même. Et moi je suis. C'est l'écho qui bouge pas depuis tout à l'heure, j'aime pas ça. Bleu, on repart. Ah bah non, ils sont encore là. Ok, bon, ça fait chier parce que rouge, vous êtes plus que deux maintenant. Goya, tu peux viser maintenant ou pas?
Affirme. Oui, Goya, tu... C'est bon ? Ouais, je peux viser. Ok, temporairement, juste pour la montée sur, sur Lima 4. Goya, ouais, tu vas te joindre à l'autre équipe. Vous allez monter en ligne sur Lima 4. Vas-y, Goya. Dès que vous voyez la patrouille, suisse indiqué, vous mettez en position. Vous me prévenez et on fera feu. Parti nord-ouest. Tu suis à 50 mètres. Alma sur ma droite. Ok, reçu. Rouge laser allumé. Goya aussi donc qui est rouge temporairement. Et avant d'arriver sur le crête, on passe l'arme à l'épaule. Et on y va doucement. Si vous êtes surpris, c'est engagement à volonté. Stationnaire, il bouge pas. Ok, on prend plein ouest, on continue comme ça. Oui, rouge en mouvement. Ah, restez bien épaulé là. On avance. L'hélico est loin. C'est pas l'hélico le problème. Je pense qu'on pourra l'avoir le pilote de plus loin. J'en doute. Hein. À la rigueur, tu feras peut-être un tir de. De MG dessus quoi. Et où je suis parti. Dans les rotors au moment où on lancera l'assaut, tu vois. D'accord. Pour éviter qu'ils s'en servent comme retraite. Ouais, l'idée c'est que. Je suis. Ce serait de mettre pile poil dans le rotor dès le premier coup quoi. J'ai pas d'optique hein. Ouais mais là ça va, il va pas être loin. Normal, tu baisses jamais ton arme en fait. Si si, même quand je la baisse. Mais dès que tu travailles avec, tu bouges accroupi, c'est facile. Eh merde, ça s'est réouvert. Bouge sur crête, visuel sur crayon, plein ouest. On a une patrouille 240 qui se rapproche. 4 tangos
On a du monde sur la maison. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Parce qu'on voit pas ce qu'on a. Il y a une lumière là au niveau du laser. Au centre aussi. Ici, gauche. Ok, vas-y, Darnaker, avance de 50 mètres. Allez, go. À coup. Ouais. Pour info, t'as une voiture devant la bagnole, devant la baraque là. Ouais. À la gauche de la baraque, là-bas, t'as une bagnole. Ce sera son moyen de transport pour la retraite, je pense, plus que l'hélicoptère. Ouais, c'est possible. T'as un lance-grenade, toi, tu pourras peut-être essayer de la viser tout à l'heure. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Parce que moi, je peux lui péter les pneus si tu veux avec le snipe. Non, je sais ce que je ferai. Ouais. Voilà, t'es au courant. Ouais, ouais. Sur mon flanc gauche là. Okay. Tu vas regarder vers l'ouest, sud-ouest. Mon laser. Non mais celle qui est censée être sur la colline qu'on vient de franchir là. Pute, je laisse arriver par derrière. Bon, alors je vous explique. Rouge, vous allez avancer sur l'objectif. Pom-pom. Qu'on a un véhicule armé sur la gauche de la maison. Ok, j'ai des lampes torches en contrebas. Identifier véhicule armé, là. Attends, je vais sortir mes jumelles. Il y a du monde, hein. On a la patrouille avec lampe torche qui est juste à nos pieds sur 240. Rouge, mettez-vous en position. Non, véhicule non armé. Rouge, mettez-vous en position, patrouille à 50 mètres. Devant. On est en rouge en position. Attends, d'ordre, préfère feu. Là, tu vises avec eux, Benuxo. Ok, Elva, tu consultes de droite. Ouais, tirez pas la mitrailleuse. Non, négatif. 4 tango. Allumez les lasers. Tu tires pas. Allez, prêt. Allez, feu. Ok, ça passe. Vous allez avancer sur la maison à un moment donné. Pendant votre progression, Wilco, tu nettoieras les tangos que tu pourras au niveau de l'objectif. Je veux que ton mitrailleur me fasse un tir sur le rotor de queue de l'hélico pour l'envoyer valdinguer. Moi, j'enverrai des grenades sur le véhicule de tourisme sur la gauche de la maison pour éviter que la cible puisse prendre une retraite par la route. Si on arrive à faire du bon boulot, Rouge, vous allez arriver à proximité, ce sera relativement clair pour vous. D'accord, on fera feu tous en même temps. On fera feu tous en même temps. Il n'y a que Rouge qui attendra d'être à bon niveau pour faire feu, quoi. Mais pour Bleu, c'est ça les ordres. Ok. Rouge pour leader. Ouais. Leader. Rouge, tu m'entends? Ok, bah j'attends ta com. Tiens, ils ont éteint les phares là où j'aime pas. On entend quand même. Ok, tous, laser activé, rouge, vous pouvez commencer à avancer doucement. Vous faites une halte à bonne distance de la maison. Voilà. Je me mets sur le caillou si ça ne dérange pas à vous. Ouais. Faites une
Montréal, t'as bonne distance de la maison, vous nous prévenez quand bah dire les derniers sapins par exemple. Oh putain. Ça va, Wilco? Ah, je trouve pas le point de tir en fait, j'ai un arbre devant moi. Essaye de te décaler sur la droite. Ouais, je vais essayer. Ouais. Même là, regarde sur mon laser, tu pourras avoir une bonne position peut-être là. Éliminer tout type d'opportunité Wilco et guider ton mitrailleur. Je surveille les alentours. Il y a une patrouille sur le sud, je vais leur balancer une grue dans la gueule. Patrouille sur le flanc gauche, azimut 240. Rouge, on n'a pas de visu, faites attention à vos replis si nécessaire. Mon équipe est morte, je me suis reculé.
Kali. Il y a sûrement des mecs sur sa gauche. Et okay. Mortellement blessé. Goya, t'es où? T'es là, Goya? À gauche du gros rocher. Ah, je suis là. T'es blessé? Par contre, ouais, je suis blessé à mort là. Pas tard à crever. Ils sont dans le petit creux là où t'as ton. Où t'as ton laser, Wilco. Putain, c'est quoi cet hélico, non, putain? Je vois pas. Non, mais attends, t'as vu ce qu'on lui a mis dans la gueule là? Ouais. Il y a du monde derrière les armes, mais je les vois pas. Visage sur le béret. Merde, Wilco s'est effondré. Ah merde. Ça va Wilco? Non. Ah putain, il a l'air d'être crevé, fait chier. Je vais regarder. Ouais, décédé, Wilco décédé. Tiré au snipe? Ouais, je peux. Non, je peux pas parce que je tremble trop. Voilà, on éteint les lumières. Là où t'as jeté ta grenade, ta dernière, ils sont là les mecs. Il y a encore des mecs un peu plus à droite sur la plage. Ils sont là. Ouais, c'est bon, je crois qu'ils ont pris les shrapnels dans la gueule. Par contre, j'aimerais bien voir le béret, où est-ce qu'il l'a vu? Kali? Ouais. T'as une optique ou pas, toi? Non. Ok, tu vas prendre la mienne, tiens. Je te la mets dans ton sac. Ok. Hop, tiens, c'est cadeau. Bon. Goya. Ouais, okay. Je me suis rapistolé, hein, c'est bon. Ouais. On va aller buter le mec, on va le fumer, on va constater le décès. Et Kali, tu vas rester ici en couverture, d'accord? Ouais, ok. Si on crève, tu te casses, Kali. T'es chaud, Goya? Parce que tu vois, on était. Ouais, ce que je propose, c'est qu'on retourne par là où on est passé avec Rouge. On est bien à l'abri au niveau des rochers, au bord de plage. Et sur la gauche, après, ouais. Il peut rester des mecs encore, on va faire gaffe. Ouais, Kali, tu vas te déplacer. Tu vois la petite butte en 210 là, juste sur la gauche? Là, sur mon laser là. Tu prends position dessus, tu fais attention à tes flancs pendant qu'on avancera, on sera pas là pour te couvrir. Hein. Il se peut qu'il y ait des ennemis sur tes flancs. Allez Goya, viens. Par contre là, j'y vois pas beaucoup. Ça va être du tir réflexe. Ils sont juste là, Dranak et Alma. Est-ce que tu crois qu'on peut récupérer du 240 pour moi? Du stuff médical. Contact 240, c'est ça? Passons à gauche. Pour moi, pour vous, c'est plutôt 280-200, je pense. 220 là-dessus. Ok, ils sont proches de toi? Gaffe, il y en a. J'en ai tué un paquet tout à l'heure là. Ah, ils sont tous morts, ça va. Ok, je te couvre, tu vas aller voir sur les cadavres de Dranak. Sans sûrement laser en fait. Pas sûr. Ok, si t'estimes pouvoir te les faire, tu te les fais, sinon tu te fais discret. S'ils sont en patrouille et qu'ils sont
Ils sont en mode enfin en mode balade, on va essayer d'éviter d'attirer leur attention. Ouais, j'ai vu leur lampe torche. Ils s'éloignent de toi, donc ça peut être bon avec ta lunette, peut-être que tu peux faire un strike, à toi de voir, je te laisse juger Kali. J'ai repris du matos, c'est bon. Ok, c'est reçu. On prend un peu de temps pour me soigner, sinon je vais pas pouvoir tirer. Vas-y. Ok. Ok, nickel. Jette un petit coup d'œil de temps en temps sur tes flancs directs. Hein. Putain, tu pourras me mettre un bandage sur le torse. Reçu, je te mets un bandage, je te mets un bandage, bouge pas. Okay. Ok, je te mets un bandage. Oh, putain la vache. Nickel. Juste temps de finir cette putain de mission. Ah. Toi ça va? Ok. Ouais, je te mets trop chirurgical. Okay, sinon ça va se rouvrir. On fait une petite pause soin. Ouais, mais tu vois, si ça se trouve dans 5 minutes, je m'en fous quoi. Bah là, t'es super blessé au torse, donc à mon avis, ça va se rouvrir même pas dans une minute quoi. Ce sera bien OP, je pense. Ce sera mieux, je pense. Okay, j'ai perdu beaucoup de sang déjà. Ok. Voilà, comme ça au moins, tu perdras pas beaucoup de sang. Ok. Par contre, il faudrait que tu mettes une morphine et ce sera bon. Prends dans mon sac. J'ai mis des morphines dans mon sac. Ah. J'arrive pas à mettre de morphine. Je peux pas t'en mettre aussi, je crois. Ah, tu veux pas? Bon, mais c'est pas grave, on y va. Je suis ready. Oh ok, allez. Ok, pour Kali, on avance. Sur la maison, sur l'objectif. Objectif crayon. Il a dit que c'était clair jusqu'à l'objectif, donc. C'est par où? Par la droite. Okay. Full auto. Ok, il y a déjà un mec ici. Okay. Lampe torche sur le côté droit de la truc. Monsieur. J'entre. Ok. Balance une grosse si t'as. Abattu. Ok. Il y en a. Ok, c'est clair. Je monte à l'étage. Ok. Ok, pour Kali, on est à l'étage. Ok, hop. Il y a un mec. J'ai balancé une frag. Ok. Ok. Ah oui, merde, c'est le nouveau système de Ace. Ouais, tu veux que je la balance? Ouais, vas-y, je préfère. Par contre, faut que tu te mettes derrière moi. Ouais, bah, il est du côté droit, le mec. Ouais. Il est ma putain de grenade, je le vois pas. J'ai pas de grenade. Ah, attends, si, grenade. Voilà, grenade, attention. Faut reculer, hein. Ouais, ok. Bon, tu mets dans l'escalier sinon tu vas avoir un shrapnel. Ah, c'est des mini grenades, ça va aller, je pense.
Vas-y. Non, c'est rouge. T'as fermé. Attention, redescends. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah si, il y a des petites shrapnels. Attention, attends, j'ai le flou, je vais monter voir. Ah merde, j'ai encore le flou, putain. Voilà, non. Ça va pour l'instant. Et j'entre. Ah. Ok, c'est le commandant. Ok. On peut aller le... Enfin, je sais pas si c'est lui, regarde. Non, ça a pas l'air. Patrouille sur la colline plein nord au niveau du mirador, pas alerté apparemment. Sur la colline plein nord. Plein nord, c'est la plage. Plein sud pour moi, pardon. Donc c'est pas lui, mais il avait vu le béret, le mec il doit être à l'extérieur, je... Il y a une patrouille plein nord, hein, il a dit. Au sud-est, je pense. Sud-est, pardon, sud. Ok, reçu. À moins qu'il soit de là où il y a la lumière, sur la plage. Je regarde les cadavres, j'essaie de repérer un mec avec un béret, il y en a un sur le balcon là, mais est-ce qu'il a un béret? Non, il n'y a pas de béret. Okay. Ah, il y a un mec avec le béret en bas là. Où ça? Là, sur mon laser. Voilà. Est-ce qu'il y a un béret là? Non, je crois qu'il n'y a pas de béret lui. Ah c'est bon, un casque qu'il a. Ok. Il est mal. Attention, on descend à ouais. Coup. Wilco, juste avant de crever, il m'a dit qu'il avait vu le mec avec le béret. Attends, je vais voir sur le balcon là. Ok. Pas de béret. Allez, on va faire le tour. Il n'y a pas de béret. Pas de béret. Vas-y, on va passer par l'avant. Fais gaffe, il y a des mecs sur le derrière la maison. Derrière à gauche? Derrière sur la droite. Ok, ça arrache. Ah, putain, je vois rien. Y a rien là. On y va? Si, il y a une lampe torche qui doit y avoir quelqu'un, non? Non, c'est une lampe. Une lanterne. Putain, je vois pas le mec avec un béret là. Y'a un mec là? Non. Non. Ah, t'éteins la lampe. Y'a un mec sur la terrasse. Y'a un mec sur la terrasse côté est. Ah, y'a un casque aussi. Putain, c'est quoi cette lumière? T'es sûr que c'est. Ouais, t'as raison. Non, attends, je crois qu'il y a un mec là, c'est pas possible. Ah, ok, il y avait un mec. Il y avait bel et bien un mec. Putain, pas de visu sur le mec au béret! Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu, j'ai dit il s'est barré sans doute. Ah oui, putain, il s'est barré. Shot! Merde, on n'a pas eu la cible, Kali. Wilco l'avait vu avant de mourir, mais on l'a pas là. On va aller voir sur la plage éventuellement. Là, il y a des mecs là qu'on n'a pas checké tout à l'heure. Ouais, on va y aller en rentrant, mais on se casse, on se casse là. Putain, je suis crevé, putain. Ok, Kali, on décroche. On vient vers toi et on se casse. Wilco il l'a vu, mais juste avant de crever, je me demande s'il s'est pas barré en hélico du coup, le gars. Parce que l'hélico. Ouais, je sais pas. Tu l'as vu se poser l'hélico, toi? Négatif. Il y
Je suis sûr qu'ils vont se foutre de notre gueule, ils vont dire oh, il était à 2 mètres de vous. Putain, mais je suis tout le temps crevé, c'est quoi là? Putain, je vais lâcher ma merde là. Tac. Trop de chargeurs. Putain, tu l'as cru que ça faisait aussi lourd des grenades? Ça va être de la colonne là, je pense. T'as pas eu des gambérés là? Non, je vais pas regarder, je t'avoue. A mon avis, il a pas pris de risque, hein. Il est pas venu au combat le mec. Hein. C'était là, là. Ah, ça va. Ça va. Oh, c'est une patrouille lambda ça. C'est une patrouille. Un casque. Non, ouais, hop, on dégage. Pas de mec avec béret, putain. Et le pire c'est qu'il faut qu'on tourne au point de départ pour l'extraction. Non, tu peux appeler l'hélico avec 001. T'appelles l'hélico pour l'espace. Ouais, mais il revient sur le point d'insertion, je crois. Pour regarder un petit peu plus. Ce serait cool une mission où on n'est pas au fond. Un radar aussi, je crois. Ouais, bon, de toute façon, on va dégager de là. On va dégager de là. Je vais juste l'extraction si je peux l'appeler où je veux ou pas. Mais il me semble pas. Non, il faut retourner sur LZ Chambard. Ah putain, fait chier. Bon allez, on se casse. Et les admins, si vous nous voyez, on va pas retourner jusqu'à Chambard à 3, je crois. Donc considérez la mission comme un échec. On l'a pas eu. Devrait, attendez-moi, je peux plus courir. Ah merde. Bah non, on l'a pas eu. Merde. Wilco l'a vu avant de crever. C'est peut-être le mec qui courait tout seul que j'ai abattu en fait. Ouais, je suis pas sûr. Je l'ai tué par là, tu vois. Le problème c'est qu'il y a des cadavres, il y en a partout, là. On a plus le temps de fouiller. Fait chier, hein. Fait chier. Putain. Bon. Tout fait la baraque et on l'a pas trouvé. Bon allez, on décroche. J'ai récupéré un silencieux hein, sur Woodco. Ouais. Là, je pense qu'on aura pas de. Ça doit être calme pour la rentrée. T'as regardé le booking à coup si on peut appeler l'hélico ou faut absolument aller à l'endroit où nous opposer? Ouais, il faut aller sur Chambard. Il faut aller sur le point d'insertion. Okay. Okay. Et là, on coupe. Hein. On a pas repris vers Lima 4 là. Ok. Normalement, ça devrait aller, mais. Oh, les ennemis, vous allez vraiment nous regarder aller jusqu'à Chambard? Si mes souvenirs sont bons, on avait fait la même mission exactement de la même façon. Ah ouais? On est passé dans le même endroit. Avant, il y a le Goyak qui. Le Goyak qui peut plus. Lâche le stuff medic, Goya, s'il faut. Prends juste une ou deux trousses et puis laisse tomber le reste.
Ok, c'est bon, on peut y aller. Crapahuter les salauds. Ouais, ils sont vaches. Ils veulent voir si on crève ou pas. Ah, patrouille là-bas en contrebas. Ok. Ah, il y a pas tout droit devant là, c'est quoi ce lumière? Ouais, ouais. Attention au flanc droit, on va redescendre. Ouais. Je crois qu'ils sont aveugles dans les baraquements là-bas. Sinon, on se prend une balle dans le dos. Ouais, le mirador juste derrière. Ouais, c'est clair. Faut que faire une pause pour moi. Ouais, ok. Ouais, une pause ici. Ouais, c'est un peu con de laisser des sentinelles de nuit sans leur donner des JVN quand même, quoi. Les pauvres. Ah, c'est une milice, quoi, ils ont pas les moyens. Ouais, ils avaient quand même un hélicoptère blindé, hein. Ouais. Blindé de chez blindé, hein. Putain, il s'est pris une grenade dans la gueule, il a même pas bronché, quoi. Ah, moi, je lui ai vidé un demi-chargeur dans la autour du queue, puis un demi-chargeur dans la verrière. Plus après encore quelques balles dans le rotor central, ça n'a pas l'air de gêner. Voilà, pour votre information, on est en 115-222. C'est bon, on peut repartir. Ok, let's go. On va aller plus sur eux, on va les niquer, tiens, pour se manger. Ou on va se faire un billet. Au choix. Merde, je suis pas du bon côté là. C'est moi ou je suis crevé toutes les 30 secondes là, quelle que soit ma posture. Est-ce que t'as perdu du sang? Ouais, mais même en début de partie. Tu peux voir, parce que si t'as perdu du sang, ça influe aussi. Hein. Ouais, t'as perdu beaucoup de sang. Je vais te mettre une solution saline. Ça ira beaucoup mieux. Et même au début de partie, début de mission, ça galérait à fond. Voilà. Ça va trop quinquer.
Putain, il veut vraiment pas mettre fin à la mission. Bon, bah, on y va. Tu marches bien avec l'arme baissée. Tout à l'heure, ouais, je le faisais tout à l'heure, mais c'était pareil. Je vais trop quinquer, tu verras. T'entends pas, Goya. Hein? T'entends mal. Le fait de la transfuir, ça va te trop quinquer, tu vas voir. Cool. Tant mieux. Ok, on arrive sur POV 2 là, là où on était tout à l'heure. Là où on a esquivé une patrouille ennemie. Si vous vous souvenez. Dans les bois là. C'est bon pour vous? Ah ouais. Ok, avec moi qui suis crevé en fait, c'est ça. Est-ce que t'as mal? Non. Ok, mais ça devrait aller mieux là, ça va pas tarder. Si quand ça va arriver, la zone de traction, ça ira mieux. Non, mais si ça passe à l'épine, ça devrait aller mieux. Attention, lumière à droite. Halte au rocher. Halte au rocher. Contact 3h apparemment. Sur la route, j'ai vu des lumières, mais apparemment... Ah oui, vu. Ça bouge encore? Ouais, ça bouge un peu, mais on voit pas de... Ils sont en éloignement apparemment. Sur 260, okay, 255. On va rejoindre la chapelle. Ils sont plus là, on peut y aller, je pense. Ah, ils sont sur le flanc gauche là-bas. Bon bah c'est plein sud, allez hop, on y va. De toute façon la lampe torche, si tu veux qu'il voit. Hey, t'as ouvert mon sac? Bon non. Ah je croyais. C'est une mauvaise valise de trucs, mais j'ai refermé ton sac direct. Ça
crois qu'il a friqué ta gourmette, hein, je t'ai vu. Ouais, je le sais, je le sais. Ah putain, fais chier, les t'es où ce mec au béret là? Je suis sûr qu'ils vont se foutre de notre gueule. C'est un complot, il va nous faire perdre du poids. J'espère que cet enculé il s'est pas barré avec l'hélico blindé. Hein. Parce que sinon c'est vraiment pas juste quoi. Non, il a jamais atterri l'hélico. Donc. Il s'est barré à pied. Voilà. Si, je me demande si c'est pas le mec que, quand j'ai attaqué la viette, j'ai tué un mec sur la côté gauche qui s'enfuyait. Il avait pas l'air armé, il avait pas de casque. Je pense que c'était lui. Tu as tué, c'est ça? Ouais. Ah, merde, on aurait dû aller voir. Ouais. On a fait le gros du boulot, il n'y a plus personne là. Bien, c'est fait. On va dire, on est bientôt arrivé là, de toute façon. Ouais. Ah, t'as déjà appelé l'hélico Ouais. Okay. Allez, si on n'est pas tout prêt. Au sud-ouest maintenant qu'il faut aller, sud-est, c'est là-haut. Alors, faire une pause, je peux tu veux une pause, c'est ça? Ouais. Ok, bon, on va en faire une ici. On essaiera de faire le reste d'une traite. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Ok. Ah, du coup, ça fait kicker. Merde. Il est en avance. Mais plus à droite, plus à droite, hein, et au... Ah ouais, c'est au sud. 170. J'ai du mal à me repérer aujourd'hui.
ami Goya. Il va partir du principe qu'il n'est pas mort, quoi, par sécurité.